Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. J'espère que vous allez mieux que le temps parce qu'aujourd'hui, donc on est le lundi 13 novembre et c'est vraiment l'automne. Là, je viens d'ouvrir un peu le store pour avoir un peu de lumière et c'est le déluge dehors et il paraît que ça sera toute la semaine comme ça. Je pense aussi beaucoup à vous si vous êtes dans le nord, comme Lauriane de l'Eau Demoiselle. J'ai pas encore vu les infos tous les jours, en fait je regarde le journal de 13h de TF1. Voilà, malgré que je suis belge, d'ailleurs je ne me suis pas encore présentée, enfin bref. Et donc je suis donc l'actualité en France et effectivement je verrai donc tout à l'heure. En tout cas j'espère que ça va bien. Voilà, une introduction un peu chaotique. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Séverine alias Nitsev, ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Facebook, c'est plus la famille, ou du moins je vais dire ce qu'il en reste. Donc je parle ici de tricot, je fais pas de couture, ma fille s'y met. Je vais peut-être vous mettre une petite photo de son petit coin qu'on a fait pendant les vacances de la Toussaint. Donc on avait un vieux canapé lit et elle voulait faire son petit coin couture, mais ce canapé lit c'était une sorte de chambre d'amis. On a une sorte de petite mezzanine ici en haut à l'étage et plus personne ne l'utilisait, donc on n'a plus de visite, plus personne veut venir chez nous, vive la famille. Et donc, donc on a décidé de retirer ce canapé lit et on y a mis un petit bureau donc de chez IKEA. Et pas de placement de produits, bien évidemment. et donc elle a son petit coin couture, donc voilà. Ce week-end, c'était le Ch'ti Bazar. Ah, d'abord, ce que je porte. Ce que je porte, c'est le pull Montana de Mallory Design. Voilà, qui se tricote donc du bas vers le haut avec donc ce petit dessin. Je suis obligée de mettre un petit marcel noir en dessous parce qu'on voit quand même assez fort le soutien-gorge. Donc c'est du bas vers le haut, un peu drop shoulder, voilà. Alors dans le dos, rien de spécifique sauf qu'il y a une démarcation, mais ça se voit pas trop. Non. Ça va, voilà. C'est le deuxième jour que je le porte. Il est bien chaud, il est tout doux. La laine, c'est la laine délicatesse de l'atelier teinture coloris sapin. Et donc, voilà. Alors, le Ch'ti Bazar. C'était donc, je suis allée donc samedi. J'ai fait la route toute seule, donc c'est à 1h40 de la maison. Et donc je vais la route toute seule. Pour moi c'était un petit challenge quand même d'aller aussi loin toute seule. Enfin toute seule, oui. Avec personne dans ma voiture en fait. Et revenir aussi si tard. Voilà, parfois je sais que ça peut paraître tout bête, mais mais je suis fière de moi, je le fais. Donc maintenant, plus d'hésitation, je me dirais, allez Séverine, tu l'as déjà fait, tu peux encore le faire. Donc voilà, j'avoue que j'ai eu de la chance aussi parce que samedi il a fait sec pour l'aller et pour le retour, parce que si ça avait été le déluge sur la route comme aujourd'hui, je crois que quand on arrive dans une ville qu'on connaît pas trop, malgré qu'on a le GPS etc, enfin bref voilà. Et là-bas sur place, j'ai revu plein de monde, j'ai fait des connaissances, des retrouvailles, on s'est vraiment super amusé. C'est vrai que c'est chouette parce que dans ce genre d'événement, il y a toujours des gens qu'on connaît. Donc voilà. Et c'était vraiment super. Déjà sur le parking, en fait, en me garant dans le parking, j'ai déjà vu des copines de Bruxelles. Ah,
de chez Sipanida. Et on était tellement excités qu'on a eu du mal de sortir du parking. C'était un vrai labyrinthe ce parking, les portes étaient fermées, on n'arrivait pas. Et puis bon, en fait, il y avait une porte avec un petit bouton qu'on avait pas. Voilà, voilà, voilà. Je voulais vous remercier, merci aussi d'être venus à ma rencontre. Certaines d'entre vous sont venues me faire un petit coucou, ce qui a impressionné cette copine. C'est vrai, tu deviens populaire. Mais moi, j'ai adoré ces petits moments d'échange avec vous, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous mettez vos commentaires, bon, les pseudos, j'arrive pas encore à les retenir, mais aussi, il n'y a pas toujours de photos. Moi, je vois pas de photos, en fait, quand je lis vos commentaires dans l'application de YouTube. Et donc... je suis obligée à chaque fois de demander votre nom parce que je vois pas toujours. Et donc voilà, mais je rajouterai mon adresse mail aussi dans les épisodes. Et comme ça, si vous jamais vous voulez, parce que voilà, il y a des personnes qui sont timides, qui ne veulent pas apparaître sur les réseaux sociaux, mais juste pour que je puisse voir à quoi vous ressemblez, ou que si vous avez envie de m'envoyer des photos de vos projets, etc., que vous n'avez pas envie de mettre sur les réseaux sociaux, mais juste, voilà, même pas, mettez pas votre tête, quoi, mais juste, voilà, ce que vous avez fait ou quoi, ou envoyez-moi aussi le lien vers votre Ravelry aussi, pour que j'aille voir aussi un petit peu ce que vous faites. Voilà, donc le ch'ti bazar, évidemment, j'ai fait des achats. Alors, les achats. Tout d'abord, j'ai acheté ceci à l'atelier teinture. Voilà. A lady never discussed the size of the stash. Yarn stash, voilà. Donc en fait, une lady ne parle jamais de la taille de son stock de laine. Effectivement. Effectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne sais plus dans quel ordre j'ai acheté. Je ne sais plus. Mais j'ai acheté ceci. Alors, la couleur, moi, c'est pas très ressemblant. C'est plus foncé à l'écran. C'est un peu plus clair, quoi. C'est le coloris aubergine de l'atelier teinture. Et c'est la base délicatesse. Voilà. Avec... euh, 56% de mérino, 44% de mohair. En fait, c'est la même base que ce pull. Voilà, et comme j'aime vraiment bien, je me suis dit, ben voilà. Alors, j'hésitais. Donc, c'est le monsieur qui m'a servi, très gentiment servi. Je crois que la fois dernière, je l'avais acheté cette laine-ci, c'était à l'Exceptionnelle. Et c'était aussi le mari qui m'avait très gentiment vendu la laine. Et donc, ici, donc, j'hésitais parce que tous les modèles que je voulais faire sont en déca. Et ici, donc il me fallait de la déca, c'était principalement la base que je cherchais, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et bon, acheter les deux en même temps, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est j'achète en deux fois. J'achète d'abord le fingering et après, plus tard, j'achète le mohair qui va avec. Ça fait moins mal au portefeuille en une fois. Et puis, de toute façon, j'ai toujours de quoi faire. Et donc, j'ai plusieurs projets comme ça qui sont en cours et qui attendent leur moitié, on va dire. Et donc, ici, donc, j'hésitais parce qu'il m'a dit, soit vous prenez celle-ci, donc qui est déjà toute douce, ou alors vous prenez la base Merino Nylon. Oh non, non, la single. C'est la même chose, mais en single, et c'est que du Merino, pardon, et vous le mettez avec un lace, et il avait le lace qui allait avec. Mais en fait, ouais, non, la base single comme ça, Merino single me plaisait moins, donc je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais quand même le prendre celui-là, donc l'idéal c'est de ne pas l'associer, sinon on l'associe, on peut, bah alors ça revient beaucoup plus cher.
Mais bon, bref, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'hésite encore beaucoup. Je réfléchis beaucoup. D'ailleurs, hier, j'ai eu du mal à m'endormir, d'ailleurs, samedi soir. Et dimanche matin, j'étais déjà au taquet et je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais faire avec. Et parce que les trucs que je veux faire pour l'instant, c'est beaucoup handicap. Donc je sais pas, je vais voir. Peut-être qu'il y aura un modèle qui arrivera plus tard, juste en sport ou fingering, et où je pourrais donc faire ça. Ou alors, ce que je vais peut-être tenter, comme je tricote assez large, c'est peut-être de faire un échantillon d'un des modèles que j'ai envie de faire et de voir ce que ça donne. Juste avec un. C'est de la fingering mais gonflant, donc ça peut être comme. C'est comme du sport, ça peut être comme du sport, considéré comme du sport. Et donc, oui, je vais voir, on verra bien. Je vais peut-être tester un échantillon, un de ces quatre. Et donc, j'en ai pris quatre comme ça. J'en ai pris quatre parce que bon, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai envie de faire un pull. Et comme pour celui-ci, j'avais eu besoin d'un peu plus de trois échevaux. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ce que j'ai acheté d'autre, c'est ceci, de la laine à chaussettes. Et c'était déjà dans mon panier avec de la laine à chaussettes. C'est le bruit des aiguilles. Voilà. En fait, elle fait pas beaucoup de salon. Et donc, j'avais dit au départ, non, Séverine, tu n'achètes pas de laine à chaussettes. J'en ai un panier que j'ai acheté chez Ikea qui déborde. Donc je dis, Séverine, non, pas de laine à chaussettes. Sauf si le bruit des aiguilles est là. Et effectivement, elle était là. Et comme elle ne fait pas beaucoup de salon, que voilà, c'était quand même plus gai de les voir, les laines en vrai, de les toucher aussi. Eh ben, j'ai plus choisir. Alors en fait, c'est vraiment chouette sur son stand. Donc en fait, il y a les écheveaux comme ça, il y a un écheveau comme ça, et à côté, il y a une chaussette pliée et où on voit bien le rendu tricoté. Et donc, c'est vraiment très, très, très pratique. Et donc, on choisit d'abord le coloris qu'on a envie, et puis après, elle propose de. Il y a différentes bases en fait, ce sont toutes des laines à chaussettes. Mais avec les composants sont. Enfin non, là, comment on appelle ça la fibre est différente. Voilà. Et donc on voit aussi les nuances sur les différentes bases. Donc ici, moi j'ai pris Mérino Alpaga Nylon, 60% Mérino, 20% Alpaga et 20% Nylon. Donc voilà. Avec donc les mini. Parce qu'elle m'a dit qu'avec un écheveau, je pouvais au moins faire deux chaussettes. Deux paires de chaussettes, pardon. Et donc, bah, j'ai pris 2 minutes. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Et donc, ce beau sac ici, chez Teinturlerie. Il y avait aussi chez Teinturlerie un merveilleux bleu roi. Mais il n'y est resté plus que un écheveau, je crois. Un ou deux écheveaux. Et il m'en aurait fallu au moins trois. Mais c'est pas grave. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo. Les chevaux et plus tard. S'il faut, je commanderai sur le site ou je précommanderai la prochaine fois. Mais donc voilà, c'était, j'avais pas un super gros budget, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Et alors, voilà, j'ai fait des connaissances, enfin j'ai rencontré des nouvelles personnes, dont Laurence. Et Noémie, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on était cinq. Hein, donc, en fait, dans le salon, voilà, on allait chacune un peu de son côté. Et puis, ben, à midi et au soir, ben, on a soupé, on a dîné ensemble. Et après-midi, quand le budget est explosé, on est allé dans un petit salon à côté pour tricoter. Et j'avais prévu le coup. Je savais qu'il fallait qu'on allait tricoter. Donc, il me fallait un tricot zéro cerveau. Alors j'avais pris ceci et j'avais préparé. Hein, j'ai dit, vous allez voir ma petite mésaventure. Donc ici c'est le. Oh, la couleur n'est vraiment pas belle. Je vais éteindre la lumière là. Ah ouais, ça va déjà mieux. Donc voilà, c'est le plus chaton d'atelier mini avec. La laine de Arco Iris Yarn.
Voilà, voilà. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ce petit dessin-là, voilà, à la maison. Voilà. Et puis après, comme il y a, bah, y a tout ça, en fait, hein, encore de mailles en droit à faire, je me dis, bah, cette partie-là, je vais la faire en tricot. C'est du tricot 0,5 faux, donc je passerai mon temps là-bas à le faire. Seulement, voilà, donc toute l'après-midi, je dis à ma copine, « Ouais, elle avance bien, ouais, elle avance bien, parce que pour les autres, elles ont fait des allers-retours, etc. » Et puis au soir, donc après le dîner, on ressort nos tricots, on tricote, et là, tout d'un coup, je vois, « Non, je m'étais trompée. » Je m'étais trompée ici, donc dans le dessin. Donc je vous explique. Donc on a donc un montage tubulaire ici, on a des côtes 1-1 et puis on a donc ce motif. Ce motif, c'est un diagramme de, on va dire, je pense que je ne vais pas vous dire tout, le patron, mais voilà. Admettons, c'est un diagramme de, je ne sais même plus, 20, on va dire 20 mailles. Ok. Donc ce qu'elle dit, c'est que pour votre taille, donc vous répétez X fois le diagramme de 20 mailles. Ok. Puis, donc elle vous le dit de le faire, je sais pas moi, 45 fois. Et puis après, elle vous dit de tricoter encore X mailles. Donc on arrive à la moitié du rang. À la moitié du rang, en fait, elle dit de refaire la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle triche. Comme pour toutes les tailles, on peut... Enfin, voilà, c'est pas un multiple de 20. Donc, elle essaie de tricher sur les côtés. Et c'est là qu'elle ajuste. Et c'est là qu'on voit moins la différence entre les écarts de ce petit motif. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et ce que j'avais fait, mon erreur, c'est que j'avais fait j'avais mis deux fois le même anneau marqueur ici. J'en ai deux comme ça. Et donc, j'ai confondu. Parce qu'au début, je me dis, c'est pas grave. Je me baserai avec, ça c'est le début du rang, là où je vois le fil qui n'est pas rentré, ça c'est le début du rang. Seulement le problème, c'est qu'au début, ça va, mais après, en tricotant, je le voyais de moins en moins, en fait, ce fil qui n'est, du début du rang qui n'est pas rentré. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un demi-rang. Et j'ai cru que j'avais fini, que c'était parti maintenant, que je pouvais faire ça en jersey. Et donc, il y avait un demi-rang où il manquait juste les deux derniers petits trous ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est du mohair fingering et mohair. Donc, ce sont deux fils différents que j'ai dû détricoter. Voilà, les deux sont là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en plus, j'ai mis plein d'anneaux marqueurs. J'ai mis des anneaux marqueurs en plus de deux types différents. Pour me dire, parce que c'est une fois sur deux, ils sont un peu en décalage. Donc, une fois, je commence le motif juste après celui-là. Donc, c'est dans l'autre sens. Enfin, bref, moi, je m'y retrouve. C'est l'essentiel. Mais donc, je me dis, cette fois-ci, le motif, je le commence après cet anneau marqueur-là. Et puis, un peu plus loin, maintenant, c'est avec celui-ci. Bref, et donc, comme il y avait tous ces anneaux marqueurs-là, je me dis, en plus, il y a deux fils en plus, tricotés ensemble, et du mohair, je dis, ça va être gay pour tout défaire. Donc, pendant que mes copines continuaient à tricoter, moi, maille par maille, j'ai détricoté. Mais il faut savoir que j'avais presque terminé. Donc j'ai dû défaire quasi ça, quoi. Ouais, ça. Donc ça fait combien de rangs, ça, que j'ai dû défaire? J'ai plus une dizaine de rangs. Donc voilà. Et donc je suis repartie. Donc voilà un petit peu les péripéties du Ch'ti Bazar. Dites-moi si vous y avez été, si vous vous êtes bien plu, est-ce que vous avez acheté. On se retrouve dans quelques jours pour la suite.
On se retrouve jeudi 16 novembre pour la suite de cet épisode. Je porte pas de tricot aujourd'hui. Non, pourtant je pourrais parce qu'il fait dégueulasse dehors pour le petit point météo. Un vrai temps d'automne. Vraiment, de la pluie, fait tout gris. Bah voilà, le temps idéal pour cocooner. En tout cas, j'espère que ça va chez vous toujours et que vous n'êtes pas inondés. Je reviens tout d'abord sur ce que je vous ai dit lundi, et pour vous, il y a quelques secondes, quelques minutes. Je vous avais parlé donc cette laine que j'ai achetée donc au Ch'ti Bazar. Et en fait, le dimanche, j'ai eu du mal à retomber parce que mon cerveau. J'ai pas su beaucoup dormir parce que je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais faire avec cette laine. Ce qui est ridicule en soi parce qu'en fait, bah, je vais pas la tricoter tout de suite, mais j'aime vraiment bien savoir où je vais. C'est un peu comme quand j'étais petite, pour la petite histoire. Tous les jours, je changeais de métier. Mais voilà, plus tard, je serai. Voilà, j'allais chez la coiffeuse avec ma grand-mère. Plus tard, je serai coiffeuse. Voilà. Le lendemain, j'allais faire des courses avec ma grand-mère. Oui, je passais pas mal de temps chez mes grands-parents. Et donc, j'allais avec ma grand-mère au magasin. Je revenais, je fais. Plus tard, je serai caissière. On est allé à la pharmacie. Je revenais. Je serai pharmacienne. Bon, je suis pas loin, je travaille pour les pharmaciens. Mais voilà, mais même si je changeais tous les jours, j'avais vraiment envie de savoir ce que j'allais faire. Ce qui m'a permis d'anticiper la chose et de ne pas attendre 18 ans pour me dire qu'est-ce que je vais faire. Enfin, quoique, quand même, quand j'ai eu 18 ans, je voulais faire les langues. Petite discrétion, hein, désolée, mais bon, voilà, on est là aussi pour papoter hein, et raconter un peu sa vie. Hein. Mais donc, quand j'avais 18 ans, donc j'aimais bien les langues, mais mes cours préférés à l'école, c'était les langues. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais devenir interprète. Bah oui, seulement, c'est une école, là où je voulais aller, c'est une école très réputée, je crois que c'est la plus réputée en Belgique, parce que c'était à côté de chez moi, tout simplement, pas parce que c'était la plus réputée. Il y avait un examen d'entrée que j'ai raté en juin. Et donc je me suis dit, bah, si j'y arrive pas à réussir cet examen d'entrée, c'est que franchement, bah voilà, je suis pas préparée pour. Et en effet, voilà, il y a des cours, il y a toute une préparation avant de faire ces études-là que j'ai pas fait. Et donc en fait, bah, c'est en juillet-août que j'ai réfléchi. Et par moi-même, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis voilà, je me dis, bah, les langues, ok, c'est pas parce que j'aime les langues qu'il faut faire absolument interprète ou traductrice. C'est un outil qu'on peut utiliser pour autre chose. Et puis finalement, voilà, j'ai fait le secrétariat de direction en utilisant les langues. Voilà, petite digression. Bon, donc pour revenir à cette laine, donc. Voilà, j'ai trouvé enfin un projet, mais je voulais en parler avec vous un petit peu de ma réflexion sur cette laine, parce que voilà, donc dans ma liste, je vous ai dit, de la liste, dans ma cue list, donc la liste des projets que j'ai envie de faire dans Ravelry, c'est principalement des pulls en déca. Voilà, alors que moi j'ai flashé sur celle-là, qui n'est pas de la déca. Alors, le charmant monsieur de l'atelier teinture qui m'a dit, bah voilà, si vous voulez en faire un déca, bah alors je vous conseille plus de prendre le même coloris, mais sur la base Merino Single et de le compléter avec un lace. Ouais, mais ça me plaisait moins, donc voilà, j'avais vraiment flashé sur celle-là, c'était celle-là que je voulais. Et donc, j'ai trouvé le modèle qui est en déca, mais avec mes calculs savants, je vais quand même tenter l'aventure. Bon, je vais essayer, de toute façon, j'ai acheté le patron. Il s'agit en fait du pull Isild. Oh, je sais plus, je sais plus. Ah, je vais retourner dans ma liste. Ouais, au secours. Bah c'est le fameux pull, là, le dernier de Nadia Kratel-Eschen, Isild. Voilà. Le dernier qu'elle a sorti, je vous mettrai une petite photo, qui est en déca, en fait. Donc, soit en fingering avec un lace, soit la grosse épaisseur déca. Voilà. Et
Et donc, je me dis, mais comment faire? Alors, je me dis, bah, voilà, je vais utiliser la règle de 3. Donc, je commençais des calculs savants, comparer les échantillons, tout le bazar. Et puis, je me dis, mais Séverine, t'es bête. Il n'y a pas longtemps, t'as fait un pull en fingering sport, c'est le pull Montana que je vous ai montré tout au début du... que je portais d'ailleurs au début de cet épisode. Tu l'as fait dans cette base. Donc, voilà, Séverine, bah, t'as qu'à regarder dans le modèle Montana combien t'avais de mailles quand tu es arrivé au tour de poitrine et tu cherches le même nombre de mailles dans le patron Isilde et tu regardes à quelle taille ça correspond. Bah oui, c'était tout bête. Sauf que le petit détail qu'il faut quand même faire attention, c'est que le pull Montana est un pull avec pas trop d'aisance positive. Par contre, le pull Isilde, il est plus loose. Donc, il faut au moins, enfin plus ou moins 10 cm d'aisance positive. Donc, je dis, c'est pas grave, ben, je prendrai la taille au-dessus. Donc, au lieu de faire la taille 3, je ferai la taille 4, mais avec donc... cette base-là. Je referai quand même un échantillon pour être sûr, mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'était la petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous. J'ai vraiment envie de tester de tricoter un pull d'Eka, mais avec une laine... C'est de la fingering, mais comme elle est gonflante, elle peut être considérée comme sport. Et donc, bon, évidemment, ça sera plus long parce que j'aurai beaucoup plus de mailles sur mes aiguilles. Mais normalement, ça devrait le faire. Comme il n'y a pas, vous savez, comme Mélina, le petit de Independence World, elle, dans tous ses patrons, il y a à chaque fois, comment dire, des ajustements. Voilà, en fonction de la poitrine, du dos, etc. Ici, c'est pas le cas, donc je ferai pas ça sur un... Je tenterai pas l'expérience sur un pull de Mélina Independence World, mais ici, comme on... Voilà, et comme il n'y a pas... Enfin, c'est un pull tout droit, quoi, il n'y a pas... Ça devrait... Il y a juste pour le yoke... Pas le yoke, je commence à voir pas, ça doit être ça... Mais donc, c'est juste pour le yoke, bah, le dessus, il faudra que je vois. C'est même pas un yoke, en fait. Non, c'est même pas un yoke, je dis ça, mais c'est même pas ça. Bref, le haut, en fait, le col, on verra. Donc, je vous tiendrai, bien évidemment, au courant de la suite de cette aventure tricotesque. Alors, entre-temps, j'ai terminé un objet. C'est peut-être le seul de cet épisode, mais bon, voilà, j'en ai un. Un objet terminé et non des moindres, puisque c'est une paire de chaussettes que j'ai commencé. Quand? Le 29 septembre. Voilà, j'en ai pas remonté sur mes aiguilles entre temps parce que j'ai 3 autres en cours qui sont là et que j'ai envie de voir fantaisser. Donc, je fais une pause pour les chaussettes. Je vous montre. Fini le suspense. Voilà, donc ce sont les chaussettes que je ne sais pas prononcer. Alors, toi vos jarouges. Voilà, de Heidi Allender. Donc, qui sont extraites du livre 52 Weeks of Socks. Ça, c'est le volume 1. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de modèles que j'ai envie de faire dedans. Mais donc, voilà. J'ai fait la taille 1. Vu comme je vous l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, le livre 2, 52 Weeks of Socks, propose 3 tailles. Ici, il n'y en a que 2. Et finalement, voilà. Comme chaque fois je fais des trop grandes, ben, j'ai testé la taille 1 et ben, c'est largement suffisant. Donc, c'est une paire de chaussettes particulière vu que... Enfin, je ne sais pas trop vous montrer. Mais en fait, il y a la dentelle qui part... elles sont en miroir en fait. Voilà. Donc, on commence en fait par les côtes. Voilà, et puis on fait donc ce... Non, on fait une fois la répétition ici de la dentelle. Et puis après, moi je croyais qu'on allait devoir glisser à chaque fois les anneaux marqueurs. Donc elle dit de mettre des anneaux marqueurs
de chaque côté, à chaque extrémité de la dentelle. Mais en fait, non, c'est tout un jeu, en fait, d'un côté, on fait des augmentations et de l'autre côté, on fait des diminutions. Et donc, c'est ça qui fait que ça tourne, ça tourne, ça tourne. La dentelle tourne comme ça. Et puis, à un moment, donc c'est quand même bien écrit donc, dans le patron, elle nous dit d'arrêter. Et donc là, on vient commencer, on vient commencer ici le talon à gousser. Il n'est pas renforcé, donc c'est du simple jersey. J'étais étonnée, je me suis dit c'est l'occasion de tester et puis je verrai bien à l'usure si, voilà, comme je mets rarement mes chaussures dans mes bottes, comme je mets rarement mes chaussettes dans mes bottes ou mes chaussures, voilà. Donc c'est pour ça en fait que je les abîme très peu. Mais je vais tester. Et donc on fait d'abord tout ce jersey. Et puis on fait quelques rangs en rangs raccourcis. Et puis après, on vient. Moi, j'aime bien en fait ce moment où on tourne et où, une fois un rang sur deux, on vient faire des diminutions jusqu'à en fait obtenir le même nombre de mailles qu'il y a sur le devant. Et donc voilà, et puis après on continue donc sur la dentelle sur le devant et le jersey sur le derrière. Voilà, et puis après il y a un autre diagramme qui ressemble assez fort au diagramme qu'on répète en fait depuis le début, mais c'est un diagramme qui permet en fait de fermer ici donc le dessin. Et donc après, ça c'est tout classique, hein. D'abord c'est un rang sur deux, on fait les diminutions, et puis après, X fois, on fait tous les rangs, pour vraiment avoir cet effet arrondi, qu'on voit pas très bien comme ça sur le bloqueur, mais je suppose que si vous avez déjà tricoté des chaussettes, que vous le voyez. Donc voilà, j'ai adoré les tricoter. Je tiens à remercier une tricopine qui m'a bien dépannée pendant mes congés, parce que, oui, je vous l'ai pas dit, mais dans l'épisode précédent, je vous avais dit je pars quelques jours, mais je peux pas vous dire où, parce que c'est une surprise. Et donc on est parti faire une surprise à ma belle-mère, en fait, qui a eu 70 ans début octobre. Mais bon, voilà, pour nous, aller jusque Poitiers sur un week-end, ça fait beaucoup de kilomètres. Donc ici, on a profité des vacances scolaires pour y aller donc quelques jours. On est allé du mercredi 1er novembre jusqu'au dimanche. On est revenu le dimanche et le lendemain, il y avait école. Donc vous voyez que c'était assez... assez rapide. Je ne vous l'ai pas dit non plus à celle qui habite la région, je m'en excuse, mais voilà, déjà c'était une surprise, on ne voulait pas que ça filtre. et puis voilà, on a profité un maximum là-bas de la famille et aussi un peu de la région. D'ailleurs, entre parenthèses, on a découvert une chambre d'hôte là-bas à Ligné, qui est en fait à 5 km de chez mes beaux-parents, et un vrai petit bijou. Donc si vous voulez aller un jour au Futuroscope et que vous cherchez une chambre d'hôte, allez, peut-être une demi-heure, je crois, de route jusqu'au Futuroscope, mais c'est un vrai petit bijou. On s'est logé à 4, donc il y a 2 chambres dans cette chambre d'hôte, et les propriétaires sont absolument charmants. Vraiment, c'est des gens avec qui on pourrait facilement devenir amis. Et voilà, on était vraiment soignés. C'était la petite pub non rémunérée. Donc si un jour vous cherchez, donc je l'avais trouvé via Booking, mais ils ont aussi un site internet et ça s'appelle les chambres de Molière. Moulière, parce qu'en fait il y a une forêt, je crois, qu'il y a dans la région qui s'appelle Moulière, et donc voilà, c'est ça, donc les chambres de Moulière, voilà, pas Molière, Moulière, voilà, petite discrétion, décidément, c'est l'épisode avec la discrétion. Donc voilà, elle m'a dépannée parce qu'en fait, au lieu, quand je suis partie, je suis pas partie avec le bouquin, je me dis, je vais pas m'encombrer de tout ce livre. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je prends en photo des parties en fait du patron. C'est un peu mon petit copion, quoi, voilà. Et donc j'étais à la deuxième chaussette et j'en étais où?
Ah ben je devais faire ici le talon, en fait, hein. Donc j'étais sur la deuxième chaussette et j'arrivais au talon et je savais plus du tout, par cœur, ce qu'il fallait faire. Et évidemment, je n'avais pas pris. Enfin, il me manquait une partie du patron. Et comme je savais que deux de mes copines et fans de Sip and Knit ont ce bouquin et on a un groupe en fait sur Slack. Et donc j'ai dit, au secours! Quelqu'un sait me dépanner! Et m'a envoyé les photos du patron parce que, enfin voilà, donc il n'y a pas vraiment de problème de droit d'auteur, c'est juste que voilà, on se dépanne entre nous. J'avais bien acheté le livre, hein, mais c'est juste qu'il me manquait les explications pour faire ici le talon ici, et donc j'ai pu continuer. Et donc, quand je suis rentrée, il me restait plus que ça en fait à faire. Voilà. Voilà, donc les laines de ces chaussettes, c'est la laine de Laféfil, laine et nylon, coloris bécassine, que j'avais achetée lors d'une journée porte ouverte chez Nathalie de By Night. D'après ce que j'entends, c'est pas prévu au programme qu'elle en fasse une en décembre, mais bon, c'est quelque chose qui lui prend énormément de temps. Et c'est vrai qu'ici, Nathalie a enchaîné les salons en ce moment. Donc, à mon avis, son mari doit se faire opérer aussi. Donc, à mon avis, elle va bien. Enfin, en tout cas, j'espère pour elle qu'elle va se reposer et profiter bien de son mari. Mais donc, voilà, à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle en fasse une cette année. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé quand même. J'aime bien aller chez Nathalie. Déjà, on voit en fait sa maison. Donc, on la voit lors de son podcast. Et là, c'est encore, on comprend mieux quand elle explique en fait. Elle n'a pas un château non plus, hein, mais voilà, c'est, si j'ai bien compris, c'est un ancien corps de ferme. Hein, donc, ce sont des pièces un peu spéciales. C'est pas un bête rectangle comme chez moi. C'est voilà, ce sont des pièces en enfilade, etc. Et donc, c'est vrai que quand on visualise sa maison, on comprend mieux ce qu'elle raconte. Voilà. Après, bon, c'est sa maison, c'est privé. Mais bon, voilà, et puis le fait de papoter avec elle, on voit les choses un peu différemment aussi. Et puis c'est l'occasion de discuter aussi avec les autres exposants aussi. Donc généralement, elle invite Trélise et Cécile de La Féfile. Voilà, et c'est pour ça que j'avais donc acheté un écheveau donc de sa laine pour faire des chaussettes. Chose que maintenant, je n'achète plus. À l'exception ici du bruit des aiguilles, parce que j'en ai entendu tellement parler qu'il fallait que je teste. Mais voilà, je fais le régime maintenant des laines à chaussettes parce que j'ai un panier qui déborde et il faut absolument que ça diminue. Donc voilà, je termine d'abord un peu le nombre de mes encours. Donc j'ai 3 encours. Mais je vais vous parler donc demain de la suite et la fin de cet épisode. Bon, je vais aller manger. Donc, si vous êtes en train de manger, bon appétit! Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la suite et fin de cet épisode. On est donc vendredi 17 novembre. Je porte le pull Esterel. Bon, c'est pas super beau avec mon t-shirt, donc manche en dessous. C'est vrai que les manches sont un peu plus courtes. Voilà. Donc je vous montre donc le pull Esterel. Avec le contre-jour, c'est peut-être pas top. Il peluche un peu, mais il est bien chaud. Donc c'est un pull de Marie-Amélie Design que j'ai fait l'année dernière. Voilà, qui est gratuit et en français, il faut en profiter. Depuis que Marie-Amélie Design a arrêté, elle a bien voulu nous offrir ses patrons. Et donc, j'en ai profité pour me faire un pull dans la base Orion de Nathalie de By Night. Et les connaisseuses, les fans de Nathalie reconnaissent donc le coloris Lac, que j'avais pas encore dans ma garde-robe. Oui, c'est juste embêtant. Voilà. Il pique pas vraiment, un petit peu quand même, parce que je suis très sensible. C'est pour ça que j'ai quand même un petit t-shirt en dessous. Et puis ça permet au t-shirt de prendre la
transpiration, hein, mon déodorant aussi. Et comme ça, ici, je n'ai plus qu'à aérer mon pull de temps en temps. Et donc, du coup, je peux le porter plus souvent et ne pas devoir à chaque fois le laver, le pull. Mais par contre, oui, le sous-pull, ça, je porte une journée puis je le mets au sale. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Il y avait un achat que j'ai oublié de vous présenter parce que c'était pas les nœuds. Mais pourtant, c'était un stand qui était au Ch'ti Bazar. C'était du thé. Et oui, il y avait un stand de thé. Donc, c'est la maison Fleur de Thé. Voilà. J'ai sympathisé avec donc la propriétaire de la marque et elle était très sympathique. Donc c'est une Française qui habite en Belgique mais qui va se séparer et qui va revenir en France. Donc aussi pas loin du Ch'ti Bazar, quoi. Elle m'a dit que c'était à 20 minutes de là. Et bah oui, parce qu'au départ, moi, j'ai voulu payer avec une carte ou l'application bancaire. Mais non, elles n'avaient pas. Je sais pas, il y avait une autre dame qui était là sur le stand qui me proposait des chèques. J'ai dit non, les chèques, non. Et le liquide, bah, j'avais pas prévu du liquide, enfin du cash. Donc voilà, en Belgique, en fait, on est habitué à... Enfin, c'est grâce au Covid, on paye facilement avec notre téléphone. Donc ici, bah, je lui ai fait un virement en fait en direct parce que mon QR code ne marchait pas. Je sais pas, j'ai un petit souci dans mon application bancaire, mais en principe, quand tout fonctionne, c'est assez pratique quand on veut. Par exemple, on va au restaurant et que voilà, on veut rembourser une copine ou quoi que ce soit, on génère en fait un QR code via l'application bancaire. Et c'est génial, quoi. Même chez le médecin, chez le kiné, on paye quasi tout comme ça, en fait, maintenant, grâce au téléphone. Voilà. Petite, encore, discrétion. Je crois que c'est l'épisode où je digresse beaucoup. Et donc, les thés que j'ai achetés, donc, il y a le Abigail, ici. Parce que c'était chouette, on pouvait les sentir. Donc, il y avait les petits pots. Donc, on pouvait ouvrir les petits pots et on pouvait sentir le parfum pour pas à chaque fois ouvrir donc les sachets. Donc, c'est un thé vert bio aux arômes naturels, rose et fleurs de cerisier. Voilà. Je ne l'ai pas encore goûté, mais j'ai ma copine Cécile, que vous retrouvez dans tous les festivals du nord de la France. Elle est partout. qui a déjà commandé, qui en est très contente. Donc voilà, ici c'est le Raphaël avec des notes d'hiver de amandes, pommes, pointes de cannelle. Et ici Olga, je pouvais les choisir, hein, il y en avait une dizaine. Donc infusion gourmande aux arômes naturels, amandes, pommes et cannelle. Voilà, mais je les ai pas encore goûtées parce que j'ai refait mon stock chez Pandati. Non, il n'y a pas de... Je ne suis pas une influenceuse de Pandati, mais c'est une influenceuse que je suis sur Instagram et qui régulièrement donne des codes promo et j'avais eu 20%. Donc là, j'ai fait mon stock d'hiver chez Pandati. Voilà. Mais ceux-là, je les garde pour plus décembre, là, vraiment, quand on n'est pas loin de Noël. Revenons à nos moutons. Et revenons donc à mon troisième en cours. Donc, je vous ai dit que j'ai le pull chaton que je vous ai montré en début d'épisode. J'avais mes chaussettes qui sont terminées. Ici, je vais vous parler de ma couverture et il reste encore un gilet. C'est le gilet Coestar de Rory Locatelli. Je ne vais pas vous le montrer cette fois-ci. Parce que sinon, ça va être redondant. Mais promis, dans le prochain épisode, d'ailleurs, ce sera mon objectif, c'est ce qui sera terminé pour que je vous en parle. Et comme ça, je ne vais pas vous dire deux fois les mêmes choses. Je vous donnerai toutes les explications du Quadstar, toutes mes permis ici. Mais j'ai terminé déjà une manche. Donc, hier, j'ai commencé la deuxième. Il ne me restera plus que la ceinture et voir un petit peu la longueur, parce que je l'ai fait un petit peu plus court que prévu. Donc voilà, je vais le laver, le bloquer, et en fonction de voir comment il tombe, peut-être que je rajouterai quelques rangs ou pas, mais ça,
C'est pas encore sûr. Donc voilà la couverture. Donc quand j'ai, pour la petite histoire, quand j'étais en train de faire le montage de l'épisode précédent, j'ai regardé un épisode de Emma Tricolibri qui parlait de sa couverture, parce que je crois que la Excavation Blanket, je crois qu'elle a sa troisième qu'elle met dans son van, que j'adore, entre parenthèses. Moi, je rêve d'en avoir un. Enfin, depuis qu'elle en parle et qu'elle le montre, je dis, c'est vrai que ça donne envie, en fait, d'avoir un van et d'aller, ne serait-ce que sur les festivals de laine, d'aller rencontrer les tricopines. Ça serait chouette quand même. Traverser la France, la Belgique comme ça et d'aller de village en village tricoter avec des copines, ça serait vraiment chouette. Hein. Bref. Et donc ça m'a donné envie de refaire ma couverture de reste. Donc j'avais déjà commencé, je crois que c'était en mai, juin, je sais plus. Et j'avais fait ceci. Donc c'est la Excavation Blanket. J'avais déjà commencé ceci. C'était bof bof, moi j'étais pas super contente. Pourtant j'y ai passé toute une après-midi. Alors les explications donc sont gratuites, sont en anglais. Mais moi j'ai même pas regardé les explications, j'ai directement regardé la vidéo d'Emma Tricolibri qui explique en fait en vidéo les explications, vu qu'elles sont gratuites. Et elle, quand elle arrive à la moitié de la couverture, elle change. Mais ça, j'y suis pas encore. Donc, je ne sais pas vous dire si je verrai au moment même si je suis ces explications ou si je suis les explications du patron original. Et donc, j'étais, voilà, en fait, c'est les couleurs que je trouvais bof bof. Donc, j'avais fait une vidéo aussi où je plongeais dans mes restes et j'avais fait trois tas. J'avais fait un tas de bleu dans les bleus, vert bleu. J'avais fait un tas dans les blanc beige gris et un avec les roses, mais du clair au plus foncé. Et donc j'avais fait trois tas sur ma table de salon que j'avais montré donc dans ma vidéo et j'avais tout mis dans trois sacs différents. D'ailleurs que les sacs étaient assortis, j'avais mis les bleus dans un sac bleu, enfin voilà. Et donc au départ, j'avais fait ça où je mélangeais un peu toutes les couleurs, mais jamais pas trop. Et alors quand mon mari m'a dit oui, ça fait un peu, parce que je lui ai demandé un peu son avis, il me dit oui, ça fait un peu péruvien comme ça. Je dis ouais mais non, c'était pas le but. Et quand il m'a dit ça, j'ai tout arrêté. Je fais non. C'était pas ce que je voulais, c'était pas la réponse à laquelle que j'attendais. Et c'était la confirmation de me dire que non, c'était pas ce que je voulais. Voilà. Donc je l'ai arrêté. Et j'ai laissé ça de côté pendant plusieurs mois. Et ici, lors du dernier épisode d'Emma Tricolibri, je me suis dit, bah, il faut que je la refasse. Et là, j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup mieux le résultat. Alors. Au départ, j'avais tout mis dans un sac. Mais à force de chipoter, de prendre des pelotes dans le sac, ben ça s'emmêlait, ça s'emmêlait. Donc, finalement, je vais vous montrer. J'ai tout mis ici sur un plateau. Et j'ai essayé de faire un peu le dégradé. Donc voilà. En quantité, j'ai trois fois ça. Hein. Donc en fait, je crois que j'en ai trois. Voilà. Et j'avais envie de partager un petit peu avec vous. Donc le résultat de ce que j'ai déjà fait, c'est ceci. Je vais vous montrer l'endroit. De toute façon, mais je suis assez contente du résultat. Attends, voilà, ça c'est l'endroit. On voit pas très bien les couleurs, mais voilà, c'est pas mal, hein? Avec le contre-jour, c'est pas top, hein. Mais voilà où j'en suis. Je suis pas encore à la moitié, hein. Mais voilà. J'arrive tout doucement à la moitié, je pense. Je sais pas. De temps en temps, je pèse, je note pour voir où j'en suis. Et alors, j'ai un petit sondage à vous faire. Vous voyez qu'il y a des laines qui sont beaucoup plus. Je vais baisser un petit peu ici. Voilà. Il y a des laines qui sont beaucoup plus claires ici. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que, en fait, le but, ça serait d'utiliser
un maximum, même dans les plus clairs. Donc ici, j'ai commencé par des plus foncés. Et ce que je vais faire, mais dites-moi si c'est une bonne idée ou pas, c'est de petit à petit de mettre des plus clairs pour faire une sorte de dégradé sur l'autre moitié en fait. Ou quand j'arrive à la moitié, de tout doucement mettre des plus clairs, des bleus plus clairs. Donc il y a du bleu, il y a du vert. Ça, c'est le reste de mon pull Montana, oui, il y a presque un écheveau entier qui me reste. Ça, c'est vraiment du vert-vert. Voilà, oui, j'ai du bleu-vert, quoi, voilà. J'ai du bleu plus foncé. Ça, comme ça, j'en ai plus beaucoup, déjà. Donc, voilà. Sinon, elle est super facile à faire, évidemment. C'est la couverture que je garde pour quand je regarde les films de Noël. Je vais vous remonter un petit peu comme ça. Mais donc, voilà, je suis assez contente du résultat. J'aurais bien aimé qu'elle soit tout le temps comme ça, mais vu tout le bleu clair que j'ai, je vais essayer de l'intégrer petit à petit et de plus en plus. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, ah tiens, cette couleur-là, ça fait un petit temps que je l'ai plus fait, que je l'ai plus... Alors je regarde un petit peu, je compte pas vraiment, mais je vois, ah ouais, celui-là, ça fait quelques rangs que j'ai plus fait cette couleur-là. Allez hop, hop, je continue comme ça. Donc, mais c'est très addictif. C'est très addictif. Là, je suis tout à fait d'accord avec Emma de Tricolibury. Surtout quand on aime le résultat, c'est vrai que c'est très addictif. On a envie de continuer, de continuer. Et alors, j'ai, point de vue grosseur, j'ai de la lace, j'ai de la fingering. Ici, je ne sais plus ce que c'était comme grosseur, mais c'était... Donc j'y vais au pif en fait. J'y vais vraiment au pif. Je vais au feeling. Parfois je dis, ah oui, ça c'est assez gros. Bon, ça c'est assez gros, je le tricote tout seul. Et le lace, j'essaye de le mettre avec un mohair, avec un fingering. Le mohair avec un fingering, enfin vous m'avez comprise. C'est vendredi, hein. Mais c'était quoi ça? Ah oui, voilà, j'avais fait le Sea Coast avec. C'est du worsted. C'est du worsted? Aran, non, c'est du Aran. Donc c'est même encore plus gros que du DK. Donc voilà, donc je fais au pif. Au feeling. Et donc quand même, belle couverture. Ah ben ça, c'est l'envers. Bon, l'envers n'est pas mal non plus. Hein. Voilà, et elle est déjà bien chaude. Donc voilà, c'est le truc évidemment que je peux pas embarquer lors d'un tricoté, c'est un peu compliqué quand même. Mais donc voilà, et ça, je sais pas, je vais le garder, je sais pas si je vais le garder en souvenir. Mais peut-être que quand j'arriverai de l'autre côté, je reprendrai au moins les bleus foncés. Et donc je pourrais certainement en faire 3, parce qu'il me reste, comme je vous dis, un sac avec que des gris beige comme ça, et l'autre avec que des roses. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Point de vue poids, je sais plus. Je crois qu'avec les clairs, je suis pas loin des 1 kg. Donc 1 kg de laine pour une couverture, c'est déjà pas mal. Ça va aussi pas mal nettoyer mon stock de reste de laine. Mais une fois par an, j'essaye généralement de faire au moins un projet pour liquider un peu tout ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, d'avoir liké, commenté, de vous être abonné aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me permet de faire vivre la chaîne, tout simplement. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail aussi, avec ce que vous êtes en train de tricoter. J'ai regardé aussi un petit peu ce que vous étiez en train de tricoter. Je pense que je ferai peut-être si j'ai le temps dans le prochain épisode, je donnerai un peu les idées que vous m'avez données. Je n'ai pas eu vraiment de coup de cœur, mais c'est intéressant de voir un petit peu. L'une d'entre vous fait une couverture au crochet, je pense. Voilà, ça change un petit peu. Voilà. Allez, sur ce, beau tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures tricotesques.